Bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi pour un nouveau tutoriel. Voici le projet du jour. C'est une jolie boîte en forme de boîte d'allumettes aux couleurs de Pâques. Et oui, maintenant ça arrive très très bientôt. J'ai hâte. C'est à l'ouverture que tout se passe, donc voilà comment elle se présente. On va tirer juste ici sur notre ruban. Et c'est maintenant que la surprise opère. Tada! Notre lapinou sort de sa cachette. Et évidemment, je l'ai rempli de gourmandises chocolatées. Donc, voilà comment ça se présente lorsque tout est ouvert. Pour refermer, on appuie simplement sur notre lapinou et on vient glisser. Comme ceci. Et notre surprise est à nouveau cachée. J'adore cette boîte que je trouve très originale. Si vous aussi vous l'aimez et que vous avez envie de savoir comment la réaliser, alors restez bien avec moi. Pour réaliser cette boîte, on va avoir besoin du set de tampons Amitié Pascal, que j'adore, c'est vraiment un de mes coups de cœur, ces animaux sont vraiment trop mignons. On a également besoin de cette perforatrice, la Marguerite Moyenne. Pour le papier imprimé, j'ai choisi nos basiques, celui de la collection Brillant. Et on me dit dans l'oreillette qu'il est actuellement en promotion à moins 40% pour les dernières chances de notre catalogue annuel. Et oui, c'est la fin de celui-ci, mais bientôt un nouveau rempli de merveilleuses nouveautés arrivera. Donc s'il vous tente, c'est maintenant ou jamais, puisqu'il est disponible uniquement jusqu'à épuisement des stocks, comme toutes les promos de ces dernières chances. Je vais essayer de vous mettre le lien vers les visuels que j'ai réalisés juste pour vous montrer quels produits sont en promotion, juste ici dans le petit i, pour que vous le retrouviez facilement. Alors, je vous donne les mesures pour notre papier imprimé, et comme vous pouvez le voir, j'en ai choisi deux différents pour qu'il y ait le même effet que sur celui-ci, donc le petit quadrillage, et ici les poids. Et la couleur que j'ai choisie, c'est flamant fougueux. Il nous faut deux morceaux identiques à chaque fois. Donc les premiers, juste ici, mesurent 3,4 par 5,3 cm. Ces deux-là mesurent 9 cm par 5,5. Ceux-là mesurent toujours 9 cm, mais cette fois par 3,5 cm. Il nous faut également une bande de papier fenêtre qui mesure 1 cm par environ 7 cm de long. Et enfin, pour la base de notre boîte, il nous faut deux morceaux. Donc un comme celui-ci qui mesure 9,5 par 21 cm. Et celui-ci mesure 13,6 par 17,1. C'est parti, on va pouvoir commencer la réalisation. Pour cela, j'ai pris mes deux tampons d'animaux que je vais tamponner sur du trait vanille avec mon encreur brune dune. Et ensuite, je viendrai avec mes Stampin' Blends les coloriser. Je viendrai également prendre ma perforatrice et découper deux marguerites toujours dans mon papier très vanille. Je m'occupe de faire toute la décoration et on se retrouve juste après. Je n'ai pas précisé les couleurs pour mes Stampin' Blends, donc c'est Narcisse Délice, la couleur 600, la couleur 800 et Tarte au Potiron. Avant de coloriser, laissez bien sécher votre encre, sinon si vous voulez coloriser aussitôt, utilisez plutôt l'encre Memento, sinon celle-ci, si je ne la laisse pas sécher correctement, elle va baver lorsque je vais utiliser mes Stampin' Blends. Donc j'attends que ce soit bien sec. Mes animaux sont colorisés, je vais prendre mon doigt éponge et mon encre flamant fougueux. Et je vais venir faire comme pour ces deux marguerites, je vais ancrer le bord des pétales pour leur donner un petit effet de la même couleur que la boîte. Je souhaitais que ce soit assez sobre, donc je l'ai fait volontairement très peu d'ancrage sur les pétales, et maintenant je viens passer mon plioir sur chaque pétale en y allant tout doucement parce que les pétales sont assez fragiles puisque ils sont très fins. Je passe et je viens arrondir un petit peu mon papier et c'est ce qui donne à ma marguerite sa forme comme celle-ci. Je peux maintenant coller l'une sur l'autre et je vais mettre à l'intérieur, ici au niveau du bouton de ma fleur, un petit papillon en laiton brossé et ensuite on se retrouve avec notre massicot et nos papiers unis pour faire nos plis.
je vais commencer par ce morceau que je prends dans le sens de la longueur. Comme d'habitude, toutes les mesures que je vais vous donner, n'oubliez pas que vous pouvez les retrouver sur le plan de coupe sur le blog. Je vous remets le lien dans le petit i pour que ce soit plus facile pour vous. Ce morceau, je vais le plier dans le sens de la longueur à 6, à 10, à 16 et à 20 cm. Une fois que ce sera fait, je vais prendre celui-ci. Et alors celui-ci, c'est tout simple puisque je vais venir le plier à 3,9 cm pour les 4 côtés. Maintenant que tous mes plis sont faits, je peux venir coller mes papiers imprimés comme je les ai installés. Ensuite, je viendrai appuyer tous mes plis avec mon plioir. Tous mes plis sont appuyés, je vais pouvoir me munir de ma paire de ciseaux et je vais venir ici sur ce morceau le long des deux lignes de plis juste ici, couper bien droit et faire un biais sur les carrés extérieurs. Et même chose juste ici, je coupe bien droit ici et ici et je fais un biais sur le carré extérieur. Maintenant que c'est fait, je vais venir assembler mes deux morceaux. Donc celui-ci, c'est tout simple, je mets de la colle sur tout mon rabat et j'ai juste à venir refermer comme ceci. Pour celui-ci, je mets de la colle sur chacun des carrés extérieurs et je viens rabattre comme ceci à l'arrière de mon rectangle en faisant attention à être bien bord à bord ici et évidemment en face, même chose, je fais attention à être bien bord à bord et je fais ça également pour ici. Maintenant que mes deux morceaux sont assemblés, je vais commencer par faire celui-ci. Donc celui-ci où ira toute ma décoration, je le mets de côté et on s'en occupera en dernier. On va prendre celui-ci, une perforatrice à main, du joli ruban coordonné aux couleurs de votre boîte. Et on va venir trouer juste ici pour venir passer notre ruban pour faciliter l'ouverture de notre boîte. Donc moi j'y vais entre guillemets à l'aveugle comme d'habitude. Mais si vous voulez mesurer, on se met au centre ici. Et ici on se met un petit peu plus haut que le centre et on perfore. Mon ruban, j'ai pris une jolie boucle comme ça que je passe à l'intérieur de mon trou. Et ici, il va ressortir juste là et je vais le coller à l'aide de double face. Voilà comment j'ai collé mon ruban. Maintenant, je vais venir cacher mon lapinou. Pour ça, je prends ma petite bande de papier fenêtre que j'ai préalablement pliée à 3,8 cm. Vous voyez, si je le plie, hop, juste ici, donc je n'ai qu'à plier, donc je plie bien dans les deux sens et je vais venir appuyer aussi avec mon plioir. Je mets du double face sur toute la longueur ici de mon 3,8, je retire la pellicule et je viens coller à l'intérieur de ma boîte sur mon ruban que j'ai déjà placé, donc tout simplement je me place moi comme ceci et je viens cacher mon ruban avec mon papier fenêtre. Alors évidemment, comme il est transparent, ça ne cache pas tout à fait. Mais une fois la boîte remplie de gourmandises, je vous assure qu'on ne voit même plus ce petit détail. Et je vais venir jouer un petit peu avec mon papier fenêtre. Je vais venir hop, le plier dans ce sens et le plier dans celui-ci, comme ceci. Une fois que j'ai bien joué et qu'il est bien malléable, je vais reprendre mon petit lapinou et je vais mettre une petite bande de double face ici sur mon papier fenêtre et je vais y déposer mon lapinou. Et voilà, c'est tout simplement cette étape qui va permettre, quand on va ouvrir notre boîte, que notre lapinou sorte de sa cachette. Donc ce morceau, on peut le mettre de côté, on l'a terminé.
Évidemment, si vous voulez glisser des gourmandises à l'intérieur, c'est le moment. Maintenant, je vais venir placer ma décoration juste ici et je vais faire exactement le même principe que pour celle-ci. Je vais mettre du ruban sur toutes les faces de ma boîte, pas tout à fait au centre, mais plutôt proche du bord bas de notre boîte. Je vais placer ma marguerite ici et mon petit poussin juste ici. Je placerai également quelques petits bijoux juste ici, un joli petit nœud et notre boîte sera terminée. Je fais tout ceci et on se retrouve avec le résultat final. Voilà ce que ça donne maintenant que j'ai terminé ma décoration. Je peux du coup glisser mon tiroir avec mon lapinou. Donc comme pour tout à l'heure, pour glisser le tiroir sans abîmer notre lapinou, on appuie un petit peu dessus. On vient glisser le tout à l'intérieur. Et regardez, si je tire, mon lapinou sort de sa cachette. S'il ne sort pas tout à fait très droit, n'hésitez pas à l'aider un petit peu, hop, comme ceci, et vous verrez que pour les fois d'après, il va sortir beaucoup plus droit. J'aime beaucoup le résultat de cette boîte avec la couleur flamant fougueux. C'est une couleur très très gaie et assez vive que je n'utilise que très peu, mais pour le coup, j'aime beaucoup le résultat de la boîte que l'on a réalisée ensemble. J'espère que ce tutoriel assez amusant vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce en l'air. Ça me fait toujours extrêmement plaisir d'avoir vos gentils retours. Dites-moi également dans les commentaires quelle est la version que vous préférez. Soit la version flamant fougueux que l'on a réalisée ensemble, soit cette version qui est réalisée en Narcisse d'Hélice. Pour ma part, je ne vais pas être capable de vous donner une préférence parce que je les trouve vraiment trop trop belles toutes les deux et je trouve qu'elles ont chacune leur charme. Donc j'aime beaucoup les deux, impossible de choisir pour ma part. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve mercredi pour le prochain tutoriel. Jusque-là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.